de commencer à penser une manière différente de former les designers à travers une école expérimentale comme Domus Academy, c'est-à-dire une petite école internationale dans laquelle on pouvait expérimenter une nouvelle méthodologie d'approche, c'est-à-dire que les problèmes n'étaient pas plus les projets, mais de former les progettistes. Pas, les problèmes n'étaient pas exactement de réaliser un designer qui était bien défini, mais plutôt une capacité spontanée, naturelle. Donc, on était professori pour apprendre. Che le role di un'école, dell'università, eccetera, n'était plus la funzione tradizionale, ma la capacità di former des autodidactiques, cioè, qui semble le contraire, ma parce que si on forme seulement des progettistes, des designers qui ont déjà un profil professionnel défini, au moment qu'ils sortent des écoles, ils sont perdus parce que le monde est déjà changé.